Je vois les samedis beaucoup de Togolais civils faire le sport. C'est très bien. Le sport est bien pour la santé. Mais ce qui pose problème, c'est la façon dont on occupe la route pour faire le sport. Parce que les samedis, vous allez voir beaucoup de personnes, et parmi ces personnes, des enfants, occuper la route pour faire le sport. Le samedi dernier, il y a un enfant qui s'est fait littéralement exploser par un motocycliste devant nous. Donc, il serait bien de revoir la façon dont on occupe la route pour faire le sport. Lorsque nous faisons le sport, il faut être très regardant envers la circulation et céder aux besoins et non l'inverse. C'est bien vrai que je ne maîtrise pas trop la réglementation en matière d'occupation de la route, mais je sais que la route est d'abord prioritairement pour la circulation et accessoirement pour le sport. La route n'est pas le lieu le mieux indiqué pour faire des gymnastiques sportives. Il serait bien de voir, est-ce qu'il n'y a pas des endroits mieux indiqués pour faire le sport? Est-ce qu'il n'y a pas des aires libres, des terrains, des espaces qui sont mieux indiqués pour faire le sport? Ou est-ce qu'il n'y a pas de voies secondaires? Parce que c'est très risquant, c'est très dangereux d'occuper la nationale numéro 1, par exemple, pour faire le sport. Tout le monde le sait bien, dans la plupart de nos villes, les samedis, c'est le jour de grandes affaires. Les routes sont beaucoup plus occupées. Tout le monde est pressé pour aller faire ses affaires. Et surtout les gros porteurs, eux, ils ne connaissent pas que vous avez la priorité. Selon eux, c'est eux d'abord qui sont prioritaires. Donc, il serait bien de revoir la façon dont nous occupons nos routes, parce que ça cause beaucoup d'accidents. Ça cause beaucoup d'accidents. De revoir, est-ce qu'il n'y a pas des espaces où on peut aller tranquillement faire notre sport et ne pas déranger, et ne pas courir des risques, des dangers? C'est ce qu'il faut revoir. Sinon, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Les samedis, les gens sont pressés. Voilà la route occupée, les enfants qui courent sur la route. On court avec les enfants, l'enfant veut traverser, l'enfant veut faire ceci, et puis, pam, accident. Il serait bien de revoir la façon dont on occupe nos routes pour faire le sport. Je vous remercie. Alès Boukara, fils des savanes.